Breslev Boost avec Francky Pérez. Avant Machiar, chacun souffrira des douleurs d'accouchement car chacun donnera naissance à lui-même. Avant l'arrivée de Machiar, on assiste à un retour massif aux sources. Les vagues de montée en Israël en sont la preuve la plus bouleversante. On n'a jamais vu un pays qui reçoit 400 missiles d'Iran et dont le marché de l'immobilier ne cesse de croître. Ça n'existe pas. La terre d'Israël est une terre qui pousse à la connexion avec son intériorité. L'âme ressent une connexion directe au divin. Elle n'est plus dans un mode de connexion intermédiaire. La découverte de sa nouvelle identité est parfois pénible à vivre et à assumer. Ce sont ça, les douleurs de cet enfantement. S'enfanter soi-même, c'est passer du stade de la connaissance superficielle de son âme à une connaissance limpide et résonante. C'est vivre et non exister. C'est assumer et non subir. Avant la venue de Machiar, vivre ces contractions qui visent à extraire notre véritable intériorité, c'est aider ensuite les autres à le faire. Lorsqu'une personne s'approche de la vérité, elle entraîne les âmes qui lui sont liées dans son mouvement vers Hachem. Shabbat Shalom.